Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Das ist bekannt. Wie viel Land hat ihr, Letaba? Non, non, pas du tout. But at the streets, of course, you should have a right to smoke. Parce que dans les rues, je pense que on ne dérange pas les autres qui ne fument pas. Je pense que ça peut être une bonne idée et un premier test qu'on peut faire dans un pays. Des péchés, c'est ou les vices. Plus dangereux que le tabac, je crois. Je pense que la cigarette peut justement être un point à éviter et à enlever pour avoir une vie saine. C'est un plaisir, je pense que c'est quelque chose qui, si on ne fume pas trop, c'est pas... Ja, wenn Leute meinen, dass sie es brauchen und sie gerne rauchen, dann ist es völlig in Ordnung. Je pense pas que ça soit intelligent, entre guillemets, d'interdire le tabac, parce que c'est comme les drogues, quand on interdit quelque chose, bon ben... Les gens ont envie d'y goûter coûte que coûte parce que c'est interdit. Comme référence, j'exposerai l'exemple de Candide, où il parle d'un pays un peu parfait, sans péché, sans vice, on va dire un peu. Je pense qu'une loi comme ça en France, ça passerait pas. Vraiment, je pense que les gens réagiraient. Alors oui, tout à fait. Oui. Étant donné que les habitudes de fumer du tabac en Finlande sont assez peu répandues aujourd'hui. I think it's not realistic. Donc je trouve que ça ne fera pas un énorme changement au niveau de la société, vu qu'il y a assez peu de fumeurs en général. There's so much people who wants to smoke. Also, ich meine, sowas wie Tabak, ça a auch positive Sachen, weil ich meine, durch die Tabaksteuer kriegt der Staat ja auch viel Geld. C'est pas faisable du tout, parce qu'on a besoin d'un endroit pour fumer. Moi, je sais pas. Peut-être que c'est réalisable en Finlande, oui. Oui, c'est pas un pays latin et c'est pas la même façon de vivre. Try to stop. So you try to stop the smoke? No, I don't.